Bienvenue dans la chaîne Habasho, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habasho, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la tenacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, le magnétisme, la radioactivité, la conductivité et les critères d'identification du diamant brut. Comment identifier un minéral? Les minéraux se caractérisent par leurs propriétés physiques, chimiques et leur type de cristallisation. Chaque minéral possède sa propre composition chimique bien définie. Il existe diverses méthodes pour reconnaître et identifier les minéraux. Une première approche consiste à effectuer des investigations non destructives. Ce sont des tests d'observation de la mesure simple qui n'altèrent pas le minéral. Cependant, ces méthodes de base ne suffisent pas toujours, même pour le minéralogiste avisé. Car identifier un minéral n'est pas souvent une chose aisée, les apparences étant parfois trompeuses. Dans un second temps, nous utiliserons cette fois-ci des méthodes destructives afin de mesurer ou d'analyser certains paramètres. Malheureusement, dans ce cas, l'échantillon ne pourra être conservé intact dans son intégralité. Pour arriver à nos fins, nous pouvons compter sur l'analyse et l'observation des propriétés minéralogiques que vous allez découvrir avec nous en vous inscrivant dans cette chaîne.